Car si le vivre ensemble est aujourd'hui mis à mal, c'est aussi parce que culturellement et spirituellement, la société a failli quelque part. Nous refusons parfois d'être nous-mêmes pour nous réfugier confortablement dans la culture et la spiritualité des autres, conçus à des moments donnés de l'histoire pour des civilisations données et qui sont parfois loin de nos réalités actuelles. Aucune morale de nos ancêtres, aucune spiritualité de nos ancêtres n'indique de s'en prendre aveuglément à des populations innocentes, de brûler leurs récoltes, de piller leurs biens et leurs bétails, ou encore de s'en prendre à celui qui n'a pas la même culture ou la même spiritualité que soi. Bien avant la pénétration coloniale, nos ancêtres vivaient dans la cohésion sociale, malgré bien sûr quelques difficultés ponctuelles et des conflits sporadiques de moindre envergure. Nous devons donc nous ressaisir pour transmettre nos vraies valeurs à la société. De tout temps, il a toujours existé partout des délinquants, des bandits, des hors-la-loi. Néanmoins, si nous respectons nos valeurs, les éléments égarés seront facilement repérés, isolés, ciblés et traités comme il se doit. Il nous faut accepter d'engager une transformation de nos mentalités.